Coucou à tous. Et oui, c'est reparti, un nouveau toit de prévu pour la série Toit Émeraude en exclusivité bien évidemment sur Patreon. Alors, aujourd'hui, la balade, dans l'idée, ça va être de trouver justement un de ces fameux toits émeraudes, ces toits verts. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur du zinc, donc on le reconnaît par sa couleur grise claire en général, un peu humide là, donc c'est un peu dans les gris foncés, parce qu'il a plu énormément hier, mais j'en profite aujourd'hui pour me balader un petit peu et il y a une vue magnifique. Je me suis levé à 6h du matin, c'est pas magique franchement, la belle ville de Paris. Allez, on va continuer cette petite exploration. En fait, je suis passé par une trappe qui m'a directement amené sur le toit que je cherchais. Donc là, j'en profite pour vous faire un petit tour avant ici. Et puis, bien évidemment, il y aura des photos, etc. De façon à vous montrer. Après, on va garder justement ce toit vert pour la fin. Il n'est pas très grand, mais on va le voir d'ici. Il est juste là-bas. Là, vous voyez la différence entre les toits en zinc et les toits en cuivre, qui sont devenus verts, bien évidemment. Et c'était pas vert à l'origine. Bon, alors dans l'idée, on va passer par là. Faire un petit tour pour se balader. Allez, on continue. Ça, c'est pas bon pour les fuites d'eau, ça. Ah, je suis pas un très bon couvreur, hein. Ah. Hop là. Voilà, messieurs les couvreurs. J'espère que ça vous fait plaisir. Je viens de réparer... Je viens de réparer quelque chose. Tant qu'à faire, vu qu'on n'est pas là pour dégrader, autant en profiter pour réparer en tout cas. Hein. Je tiens aussi à vous avouer quelque chose, hélas j'ai fait une rechute, mais bon, en même temps il était vert et il faisait de l'œil. Et puis il va avec les toits, regardez, c'est pas trop joli, il est magnifique. Alors, vous savez quoi, puisque je suis pas un gourmand, je vais le laisser ici et il va vivre sa petite vie de crocodile vert sur un toit vert. Voilà, vous le reverrez peut-être bientôt. Bisous.
Bon, et bien voilà, j'espère que cette petite excursion sur les toits émeraudes vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bien évidemment, ce sont des vlogs qui vont avoir des durées qui vont changer énormément. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une petite zone en fait au niveau de ces toits émeraudes. Donc il y a environ 30% de toits sur Paris qui sont faits en cuivre. Et ces toits en cuivre ne sont justement que 30% en fait des toits parisiens. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu cette chasse aux toits émeraudes, aux toits comme ça tout simplement, parce que ça me permet d'avoir un, voilà, un but, quelque chose de, qui m'excite un peu plus que les toits en zinc maintenant que j'ai énormément visité. Je fais une énorme carte en fait, je me suis transformé un peu en cartomancien et en référent, voilà, essayer de trouver un maximum de toits en fait. Je fais complètement une map énorme, donc voilà le cartomancien du free running aujourd'hui. Et justement le but c'est de découvrir ces fameux toits verts et en fonction, comme je disais, de la taille de ces toits verts, les vidéos vont être plus ou moins longues en fonction de la facilité des accès ou tout simplement du temps que je vais y passer en fonction du temps que je peux y passer. Donc voilà, donc vlog un petit peu court, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt sur Patreon pour de nouvelles aventures. Et bien évidemment, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon, c'est que 5€ par mois pour voir des contenus vraiment exclusifs. Le but est tout simplement de pouvoir justement utiliser cet argent à bon escient, de façon à pouvoir produire des choses que vous avez envie de voir aussi et prendre le temps, moi, de travailler un petit peu pour vous, c'est-à-dire créer des tutoriels, relancer des séries que vous avez envie de voir et que j'ai pas forcément... c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais c'est pas quelque chose que je vais mettre dans les ordres de priorité. Alors que si vous m'aidez, je vais les mettre bien évidemment dans les ordres de priorité et bien évidemment tout le monde sera content, c'est le but. Donc on se retrouve bien évidemment sur mon Patreon très bientôt. Je vous fais des gros bisous pour de nouvelles aventures sur les toits émeraudes. D'explorer un petit peu tout ça. Hop là! J'adore ces trucs-là, je trouve ça génial. Coucou! Oui, je sais, je suis un enfant. C'est pour ça que je grimpe partout aussi. Super! En tout cas, très très belle résidence et bien évidemment, mon but n'est pas de dégrader, je rappelle, et n'est. Absolument pas de déranger, en fait tout simplement l'idée de visiter, c'est-à-dire que la but c'est d'être vraiment invisible à l'œil des habitants, à l'œil de n'importe qui, un petit peu comme dans la nature, c'est-à-dire que quand vous allez faire du camping, bien, le but n'est pas de laisser de traces, tout simplement vous arrivez, vous laissez l'endroit comme il est, et c'est exactement ce que j'essaye d'apprendre aux gens, c'est-à-dire respecter ce milieu-là, les toits de Paris, parce que je trouve ça très important de pouvoir y accéder, tout simplement. Je sais que la mairie de Paris, et je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, essaye de justement aider au développement pour montrer ces toits parisiens qui sont extraordinaires. Et donc dans mon idée, c'est de montrer que je répare, justement, j'en profite pour prendre de l'expérience auprès des couvreurs, par exemple, parce que j'ai travaillé justement pour une école de couvreurs il y a très peu de temps. Et d'ailleurs, je leur fais des gros bisous et j'espère les revoir très bientôt. Je n'hésiterai pas à aller dans leur école pour en apprendre beaucoup plus sur le zinc et bien évidemment le cuivre et surtout comment réparer ces petits trucs sur lesquels je marche, en fait, tout simplement. Donc apprendre la résistance un petit peu plus de leur point de vue. C'est vrai que j'ai mon point de vue à moi, dû à mon expérience sur les toits. Mais ce sera en tout cas très intéressant, je vous emmènerai avec grand plaisir là-bas. Allez, on va descendre parce qu'il va être temps. J'ai un peu froid, il ne fait pas très chaud là. Et puis on va continuer notre petite aventure en espérant trouver un autre toit très rapidement. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée, on redescend tout de suite.